Oui, qui était beau, ta. Oui. Oui, qui était beau. Hein? Il y a le gros noir? Oui. Oui, qui était beau, ta. Maman, je voulais appeler le cheval noir, c'est lui qui est venu à la base. Maman? Oui. Je voulais appeler le cheval noir, mais lui, il est venu pour avoir des câlins. Mignon, toi. Bah oui, il veut des câlins. La prochaine fois, vous avez plein de petites carottes. Ouais. Et qu'il y en ait des carottes. Et t'es beau, t'as. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien, j'ai pas à manger pour vous. On n'a pas pris de carottes ni quoi que ce soit. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a l'autre là-bas. En car qui arrive. Non, là-bas, à côté. Viens, maman. Si, attends, j'arrive. Oui, j'y vais, toi. Il fait un gros bisou. Il y a un autre qui arrive. Mais vous êtes beau. Non, j'y vais, toi. Il est gentil. Et bonjour, les triplés. Il y a des triplés. Il y a des il y a un groupe de triplés. Ouais. Oui, vous vous ressemblez. C'est des croix duplés. Des croix duplés. Regarde, il y en a un là. Il y en a un là-bas. Il y a où le deuxième cheval noir? Non, il y en a qu'un noir. Non, il y en a deux. Non, il y en a qu'un. Pourquoi il y en a trois? Il y en avait deux. Mais non, il y en a qu'un. Mais non, il y en a trois. Il y en a non, mais. Il est rouge. Oh, il y en a une là. Bête. Ouais. C'est une tique. Il en a une tique, lui. Il faut l'enlever. C'est ils en ont quelques-uns, ouais, mais. C'est pas bon pour la santé. Ils en ont plein. Encore ça va, là, sur le visage, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des câlins, toi. Oui, j'ai l'autre. La tique. Ouais. Écoute, mais ils en ont des petites, des grosses. Et moi je peux pas te caresser. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu mets ta tête sur moi, je peux te caresser. Ouf! On va sentir les chevaux. Hein? Il y en a deux qui vont nous gronder. Il y en a deux qui vont nous gronder. Ouais, plus. Si tu mets ta tête trop, je peux pas te caresser. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais quoi 5 jumeaux là? De quoi? Les 5 qui se ressemblent. Qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Et maman? Oui. C'est quoi les 5 là qui se ressemblent en même temps? Je sais plus. Comment ça s'appelle? Bon, moi je vous appelle les croix du. Oui, mais. Les croix du pré, c'est 4. Oui, vous êtes beau. Mais maman, il y a. Bon, on a fait une grosse partie là. Il nous reste une petite partie là, on se pose parce que maman elle a mal au dos. Aïe. Tu m'écrases. Aïe, mon cul. T'as un gros cul. Alors là, on se pose parce que j'ai mal au dos. Parce que là, comment dire, on a fait tout ça. Ouais, tout ça. Et il nous reste encore tout ça là-bas pour retrouver la voiture qui est là-bas. Et des soirs. Et l'eau, elle est dans la voiture. Et en plus, elle a chopé. Et ma fille, elle a chopé le hockey. Bon, on a eu la bonne idée de venir faire le tour du bord du lac, mais comment dire qu'à certains endroits, c'est un peu inondé. Alors, on a les chaussures un peu sales. C'est pas grave. Regardez les miennes. Et toute seule, allez, pose ça, toi. Non, là, on se pose 2-3 minutes et après, on y retourne. C'est mon pantalon préféré.
Je le mettrai à laver. Oui, il va beaucoup mieux ton bobo. Bon, et après, ben, on va terminer. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Non. Mais non, ça va mieux l'autre fois. On y est allé, t'avais juste un gros... bleu. C'est un hématome. Voilà. Là, on va se poser 2-3 minutes, après on y retourne. Et après, on verra voir s'il y a papy. Et après, il faudra voir pour commencer à ramasser des bouts de bois pour le mois d'avril. Ah, je joue pas avec l'autre. Parce que c'est, vous savez qu'on est de mariage et en gros, je suis corée de barbecue. Alors j'ai dit, on va ramasser petit à petit, qu'on va se promener à des bouts de bois, des pines de pin, des trucs comme ça. On va bien remplir les sacs pour faire le barbecue. Il est ok. Bon. Nous, on vous dit à plus tard. À plus tard. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Non, là, vous avez plus. Et gros cucu. Qui sont collés à moi depuis tout à l'heure. Et comment dire qu'on ne peut pas trop bouger? C'est le top. Voilà, aujourd'hui on est mercredi. Oui, je vous prends tard, il est 5h. Mais comment résister devant ça? Ils sont couchés sur ma jambe, tranquille, à l'aise. Oui. Ils sont où tes pieds qui puent, toi? Mais là, ils sont là. Bon, désolé, c'est pas les mêmes chaussettes, regarde. C'est habituel, ça. Avoir les mêmes chaussettes, c'est une option. Non, là, aujourd'hui, on pose parce qu'hier, on a fait tour du lac et j'ai le dos vraiment vrai qui est caché, ça fait pas effet. Elle est un peu fatiguée, ce matin, on est allé chez l'orthophoniste. Son rendez-vous orthophoniste est là. Et cet après-midi, on a décidé d'être resté tranquille. Et voilà, avec des bébés qui font dodo. Mais bon. Non, là, ouais, aujourd'hui, tranquille. Demain, on n'a rien de spécial. S'il fait beau, on ira peut-être se promener et tout. Parce que maman va reprendre le travail la semaine prochaine. Ah. Et ouais. Alors, la semaine prochaine, elle ira chez Marlène. Non, mais... faites des courses. Ah, la semaine prochaine, elle va aller chez Marlène, vu que moi, je vais reprendre. Et... voilà. Là, elle doit demain, ouais, s'il fait beau, je sais pas si on ira se promener, faire un petit tour par-ci, par-là. On va voir un peu ce qu'on fera. Et voilà. Non, bah aujourd'hui, je vous dis, c'est journée tranquille. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Allez, il y a quoi d'autre? Une bibille de plus. Une bibille de plus. C'est quand ta fille m'avait acheté des billes. Pour me remercier, parce que j'étais aussi sage. Elle m'avait acheté des billes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Voilà. Bonjour. Ouais, là, on est dans le champ de mon gros cucu. Allez. Ouais, il y a plume là. C'est plume ça. Allez, trie les jouets que tu veux plus garder ou pas là. Oui, d'accord. Oui, non, parce que là, on est en train de faire un tri des jouets qu'elle ne veut plus. Parce que j'ai envie, parce que plume, j'en ai marre qu'elle fait pipi sur mon lit. Oui, parce que plume, elle va dessous son lit par moment et elle fait pipi dans sa caisse à jouets. Alors là, on est en train de ranger sa caisse de sa chambre. Là, elle est en train de trier tous les jouets auxquels elle joue plus, auxquels elle ne veut plus, et on met de côté. Mais la caisse, on l'utilise pas. Ben, au pire des cas, tu prends la caisse, tu sors la caisse et tu mets aussi les jouets dans la caisse que tu veux plus. D'accord. Bon, ma machine à laver, elle est toute cassée. Ben non, elle est pas cassée. Si. De quoi? Si. Comment t'as fait pour le perdre? Alors. Ça va pas tourner. Tu vois, ça tourne pas. C'est bien qu'elle est cassée et de temps en temps elle s'arrête. Mais sors la caisse et mets-la dans la caisse.
Et on va tout mettre à... En fait, il y a des bébés qui sont bloqués. Là. Et on ira tout voir ce qui... on donnera tout et voilà. Ce qui est cassé, on va trier. C'est mon fils. Tu utilises ça? Non, je ne l'utilise pas. Je pourrais en racheter des autres comme ça, des nouveaux. On verra. Pour ma cuisine. On verra. Déjà, range. Allez, je trie tout. Ma culotte! Mets-la sur ta table de nuit, comme ça, on sait où aller. Mais faut laver le truc comme ça. Ben ça, il faut l'enlever et mettre dans la corbeille pour que je le lave. Il y a de l'eau dedans? Oui, il y a de l'eau. Faudra vider l'eau. Pourtant, l'eau. Allez, jette l'eau. Je vais vider l'eau. On revient vite à l'aventure. Voilà, on est en train de trier sa chambre, là, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut pas. Tous les trucs, après je vais la trier, tous les jouets qui sont cassés, ben, ça appartient à la poubelle. Ceux qui sont pas cassés, on met de côté et on va les donner au secours populaire, comme ça. Hein. On sera nickel. Mais là... Mon cœur, mais là dans le placard qui est juste là à côté. C'est dans. Ouais, là. On peut savoir où elle est. Voilà. Tu la mets là, voilà. Tu la mets en haut, c'est très bien. Allez. Et puis j'en ai marre qu'elle saute sur mon lit et qu'il est bien là. Mais ça, c'est pas grave. Bah, après, au pire des cas, ton lit campe. On verra cet été au pire. J'essaie de le déplacer là. On met là. Mais déjà, il faut tout ranger là si tu veux que je déplace les meubles. D'accord? Allez, trie-moi tous tes jouets. Et là, mais les sorts. Bah, voilà, bah, après, ça, je me verrai trier tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est pas cassé. Une poupée là. Une poupée là. La poupée, elle est là. Regardez, comme la poupée là, elle est massacrée. C'est moi qui l'ai massacrée quand j'étais petite. Je l'ai massacrée. Je te jure. Tu vas pas tous les garder, les claviers, tu vas jeter celui-là, non? Ouais, je garde le blanc, parce qu'il est neuf, le blanc. Parce que le blanc, tu t'en utilises plus, le blanc, non. Tu t'en utilises plus. Bon, un truc pour la vaisselle. Ça, tu peux le jeter parce que je l'ai plus le balai, celui-là. Non, jeter, là, oui, ça, c'est la poubelle aussi. Voilà. Voilà, voilà. Là, ça fait un petit moment qu'on s'est déjà traîné. Et mais désolé, j'ai chaud. On s'amuse à ranger, ouais, on a la porte ouverte, la fenêtre de sa chambre qui est ouverte. Plus les trois chats qui sont là, et en plus, t'es nous depuis hier. Elle a ses chaleurs. Cool. Ouais. Allez. Elle veut appeler Pika pour faire des bébés. Mais Pika peut pas faire de bébés. Parce qu'au moins, on a fait coupe-coupe. Ouais, on a fait coupe-coupe. Et Téna aussi, elle va y passer à faire coupe-coupe. Ouais. Et plus moi aussi, on va faire coupe-coupe. Plus, mais il faut. Ouais, aussi. Elle passera à faire coupe-coupe. Pourquoi tu veux pas que je te fasse des câlins? Tu ramasses tous tes jouets là? Oui, c'est vrai, t'en as un peu, mais je peux pas. C'est Doudou Bidou. Ah oui, c'est Doudou Bidou. Il est le truc dedans? Mets-le à laver, on va le laver. On va perdre Doudou Bidou. Voilà, en gros, j'ai pas mal de machines à faire tourner encore. Et voilà, t'as coupé le. Ah oui, c'est déjà. Tu vois ça? Il a retrouvé la montre. Ouais. Ah ouais, je vais chercher l'autre. Bon, mais écoutez, nous on vous souhaite de passer. Mais c'est pour ça, tri, et après on va nettoyer. Maman pourra tout nettoyer et tout comme il faut, aspirer, laver et tout. Tu le veux ou pas? Bon, moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Profitez encore parce que la dernière semaine des vacances. Et je crois qu'il y en a qui vont être en vacances. Alors bonnes vacances à ceux qui vont être en vacances. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.